Gros nouvelle, mon ami yo, bienvenue. C'est sous TAC 509 ou connecté n'importe côté où yé. Depuis où c'est haïtien, ou doué compte tout ça qui a passé en Haïti ou à l'étranger. Pas oublier abonner, commenter, liker, partager vidéo pour travailler là, capable d'avancer. Zami Pao Foucault. Ça fait triste, ça fait mal. Pour moi, yo metem dans yon avion sans destination. Parce que moi en Amérique 52 États, me songe j'ai au tap couru derrière, t'as coupé bête marron en bois. Moi-même, moi t'as souri aux lèvres parce que me connais depuis me pilotais ça. Eh bien, y'a pas qu'à déporter n'importe qui façon. Et nous connais en combien city États-Unis divisé. Et c'est première fois me sentim humilié comme ça dans vim. Comme y'a te mettem dans yon avion sans destination. Lè mwè se la kay mwen yo ap menem. En tant que haïtien, lè m rive airport, m pété crier. M'ap entre la kay mwen, même m pété crier. Ay, bagay la lè dwi frèz et sœurs. Mesdames, mademoiselles et messieurs, encore une autre fois, yon avion atterri dans pays d'Haïti. Et les migrants yo fin descend, yo wè se policier haïtien franchement, yo pété rèl. Rel yo pété a comme étant donné dans airport la pa gen wash yo retire tennis nan pied yo pour tirer sous policier tirer sous avion an. Après yo t'a fait diverses tentatives pour comment yo t'es capable remonter avion encore pour yo tourner dans pays yo. Ay, ou pral gen chance vivre ça et non seulement ça tout tant de déclarations diverses nan migrants sa yo qui passe en pile misère pour arriver dans pays tonton Sam et puis yo ouais c'est Haïti yo retourner encore. Moi invité ou aller chez ou chita Foucault zami et faut pas rentrer la caille ou c'est un plaisir me pral ba ou tout tripotay sa ou nan bon ti mamite sans retirer sans mettre. Bonjour, bonsoir tout le monde, comment nous y est? Encore une autre fois, m'abdou merci. Merci parce qu'on fait une confiance pour nous informer. Et merci pour fidélité ou ak patience. Merci parce qu'on like. Merci parce qu'on abonne. Et merci parce qu'on partage vidéo. Ça fait un plaisir en pile en pile. Encore une autre fois, si vous tombez sous channel là, moi je vous pas hésiter. Activez cloche notification pour là. Pour pas rater aucune vidéo. C'est Zami Pao Foucault. Parfois dans la vie, gen des timou nous kon genye. Là où sorti ensemble avec lui. Côté ou aller, elle tellement joue un plaisir. Eh bien, li poko gen assez d'esprit, lor di le chéri en entre la caille, eh bien, li péterel, li djou li pape entre. Mais pour sortir Chili, pour traverser 11 pays, pour aller aux États-Unis d'Amérique, c'est pas mes affaires, frères et sœurs. Et puis, pour yon mettons nous avion, adje, ou connaissez Las Vegas ou bralé, ou connaissez New York ou apateri, ou connaissez Florida, j'en kon ap gade nan film beach la, belle bagay net, ou pensez c'est l'op bralé, oh oh, l'on regarde où c'est dans le pays pour la yon mène, c'est dans l'Amérique, pas où la yon mène. Adje la vie. Bagay yon triste, oui. Et quand te bagay la fait mal, frères et sœurs, c'est gade ou ap gade visage haïtien sa yon, là yon wè se Haïti yon rive, moun sa yon pète kriye. M'di ket, gon problème là. Gon problème parce que yon senti yon ta kebe pilote là, yon kolbo sa tête li, parce que wè se la li mène yon. Li pa mène yon dans le pays yon. Nous l'aide en pile, et bagay la fait triste, bagay la fait mal, bagay la manje m'jouk nan zo. Parce que, c'est vrai, moun sa yo passe en pile misère, yo passe en pile calamité, yo prend pile souffrance. Mais, comment t'es ka comprendre pour être dans le pays ou ap entre, et pour sentir ou ta levé kor frapate? La pa la ou, faut ta retourner dans le pays ou. Ay, papa, ça ne fait na paye. Ça fait mal, ça fait triste. Les m'ap gade maman, petite, jeune femme kap explique comment yo viole yo pendant toute route là pour yo wè. Comment yo te capable arriver aux États-Unis? Destination yo, rêve yo, vision yo, objectif yo sont seul côté, c'est rivé seulement dans pays États-Unis parce que depuis yo konnen yo rivé là, tout bagay pralé bien pour yo, tout bagay pralé rose pour yo. Mais question qu'a posé mesdames, mademoiselles et messieurs, comment t'as donné au Québec moun sa yo? Valise yo pran, est-ce que t'as gen assez de l'argent là-dedans qui t'a permettre yo survivre enfermé caille en attendant yo jwenn travail? Donc, m'pa suspend poser tête mon question ça. Donc, et pour les moun sa yo atterri nan, et là ou moun sa yo atterri nan pays d'Haïti, moun sa yo dou yo sans rien. Yo pa gon goud, yo pa konn ki sa yo pral fè pour yo recommencer. Tandis que yo kite madame ak petite nan pays Chili. Donc, et là t'es arrivé nan USA, comment t'as pral fè tout pour aider moun sa yo rentrer les États-Unis? Donc, m'a posé tête moi question.
est-ce que Haïti pas pour Haïtien encore? C'est vrai que situation est difficile, mais bagaille a fait mal pour c'est comme ça. Nous-mêmes qui c'est petite terre n'a réagi en tant que Haïtien parce que la caille pas bon, bagaille a grave. Mesdames, mademoiselles et messieurs, nous pral parler ensemble avec youn migrant yo déporté, nous pral connait qui s'est passé, comment chimé enté pour lui et qui va les souffrances, comment le sent-il les lois c'est sous terre d'Haïti, li atterri encore. Entendez. Nous ne pouvons pas déporter nous. Aïe, quoi dit oui, li pas levé Haïti, mais li gen 4 ans Chili, li parle créole tant qu'on bon haïtien. Bon côté le joine tout créole ça ou. Bien peut-être maman ou bien papa le ka parler créole bien, c'est ça que fait ou elle parle créole comme ça. Mais question qu'a posé, est-ce que moun sa ou te gen assez de l'argent pas si span poser question ça nan valise ou les arrivé aux États-Unis pour être capable vivre en attendant yo joine travail. Parce que gens yo frustré là, gens bagay la fait mal là. Aïe, ouais, vend tout ti sorte gen, ou pense au pap chanm tourner nan ti boutè sa, au lieu tout non travail pi di pou pike pou pi devant. Et puis l'arrivé États-Unis d'Amérique ou traverser 11 pays et puis pour c'est là ou faut retourner encore. Ah je, frère c'est bien-aimé, nous mal oui. Bagala fait mal vrai oui. Bagala fait triste oui. Image ça ou regarder là et puis ou regarder quelques moun qui fâché qui neve, et yon retire bagay nan pied yo, yon ap tire sou avion, ba besoin d'ou si yon te jwenn wash, ki sa tap passe nan airport sa. Yon fache yon boude, presque bat la police, yon fait plusieurs tentatives pour remonter avion encore, puisque c'est pas America, puisque c'est pas America sa yon te rêve, mais yon wese la yon vin lage yo. Yon vle retourner nan America yo wa. Côté, yo passant pile tribulation, pile misère pour arriver là-dedans, yo traversé 11 pays, gen nan yo chien manger, gen nan yo qui mouri nan route, gen nan yo frères et sœurs qui violé et puis ouais c'est là yo retourné encore. Bagay la fait mal oui, bagay la fait mal. Bon, frère Pam, qui j'en ouyé, comment ça t'est pour bon petit détail. Imagine yo, nous fait 3 jours prison, nous pas bien, ya, nous pas bien. Nous pas bosser, bon manger même on dans détail à ba nous après ça déporter nous chez nous mais de gros esclaves dans sentir dans pied au final de nous là ça que nous va connait on va faire nous signe déportation nous venons là on nous déposer nous là qui peut toi t'es sorti pour rentrer ta chérie comment pas quoi tu faut t'expliquer le débat quoi tu j'ai ça tellement difficile. Bon, c'est la vie ou la mort. Parce que imagine, on passe dans la forêt, on fait qu'une bonne semaine, moi, et on compte des gens qui vont marcher encore même. Et les gens qui étaient dans la GA, ils ont été vraiment droits, même. Et puis, l'arrivée, ils ont donné une goutte, ils ont mis dans l'avion, et puis, ils ont été là. Est-ce que y a des gens qui mourent par rapport à quoi? Oh, chargé, mon cher, on passe sous le monde, l'eau à boire encore, c'est de l'eau mort encore. Ah bon? Combien de temps nous fait pour nous arriver exact? Oh, plus que moi. Comment nous fait pour nous survivre? Nous, on est avec des familles qui ont aidé les familles. Et on est petit coup de bien, on est quitté derrière. C'est même ça pas capable de même derrière. Je suis là pour évaluation de Chili pour tout. Aïe, papa! Son question de vie ou la mort. Si ou est ou vivant toujours, si ou est ou kalage ou nan bout America ça, bien que c'est pas li ou te rêvé, gè l'espoir toujours. Oui, gè l'espoir toujours parce que gè en pile nan nous qui t'a fait route là qui mouri, bête sauvage mangé, à cause yo soif, souf yo coupé, yo pas ka résister encore mais ou même si ou là ou a respirer quand même son grâce. Et gè en pile nan yo qui t'a remé là, bien que yo pas tombé aux États-Unis mais en Haïti, yo t'a remé vivant toujours pour yo wè comment ça t'a pied. Mais yo pas là. Si ou ka là toujours frère, prends courage, gè l'espoir.
L'elle pi fait noir, c'est les sales pral jou mal pour qu'on ait qui sac pral passé nan jou kap vini ou là. On ne pas décourager parce que si ouais on tombe là quand même, gen moun ki l'hôpital, gen qui pas arrivé nan niveau ça. Gen qui pas même gen tan pile té les États-Unis qui mouri nan route. Mais si ou ka retourner la caille, c'est que c'est pour yon but bien déterminé ou pas gen droit décourager. Belle madame, nous ou ap crié depuis bien longtemps. Ça qui passé, qui j'en saté pour bon outil détail. À la traka pour la vekaïté papa, tout sacrifice sa yo, juste pour nous te capable de arriver dans le pays les États-Unis, parce que nous connaissons depuis arriver là, tout bagay tap sous contrôle, a fait nous tap régler. Yo violé yo. Aïe papa. Bagay la manje m'jouk nan zo. Bagay la fait mal, bagay la fait triste. Est-ce que n'gez ami? Le ou pa ge chance nan la vie ou pa fait zami. Le ou pa ge chance nan la vie ou pa fait zami. Moi pral foure pied nan la même pral naviguer. Moi gen ignorance nan la vie nan non bon Dieu. Le ou pa ge chance nan la vie ou pa fait zami. Le ou pa ge chance nan la vie ou pa fait zami. Lè ou pa gen chans nan la vi ou pa fè zami. Mwen pral foure pye m nan la mèm pral navigè. Mwen gen ignorance nan la vi m nan non bon che. Bagay la fè m mal oui. Bon, frè pam ki jan ouye. Depi bien longtemps mwen wè ke wap pale la, mwen ta remè ou ban mket. Mwen ta remè ou ban mket detay. Ki sak pase, ki koto soti, ki jan wout la te pou, ki jan santi ou le wè se la nan peyi d'Ayiti ou retoune anko. Papa, mon Dieu, papa.
bagay la mal. Bagay yo tris, mais ou konnen nou fait tête nous mal en pile. Nous fait tête nous en pile mal ou parce que foug sa nous gagné. Foug sa nous gagné, sacrifice sa nous fait pour nous juste river les États-Unis d'Amérique. Nous pas de besoin qu'on ait qui sac ta bral gagné just c'est river les États-Unis. Mais où qu'on est si n'te gen même foug ça, même courage ça, pays d'Haïti t'a changé, frères et sœurs. Est-ce qu'on connaît ça? Parce que si vous dépensez tout l'argent ça pour traverser, vous comprenez une situation difficile, mais moun qui pour ranger pays d'Haïti, c'est pas blanc qui vient ranger, mais c'est nous. Nous capables de comprendre, moun qui te qu'on a sorti pour le manifester, yo, son l'argent qu'on mette yo de yo, mais pour me bien dire nous, c'est pas volonté qui gagne qui fait moun sa ou te sorti pour al manifester parce que je ne j'en dis alors regardez gens moun yo frustré à cause yo déporté yo et côté yo talé c'est pas légal yo talé c'était illégal et les ou essayer traverser rentrer son frontière yon l'autre pays quand même li gen règle li gen loi gon façon pour l'accueillir les nous 13,000 a traverser frères et sœurs c'est pas ti bagay piti. C'est vrai que nous, en Afghanistan, yo débarqué à 37,000, mais nous même qui 13,000 environ, yo te ka juste passé mes prendre parce que nous ses amis yo. Et tout temps yo t'a fait derrière ces batailles, yo t'a bataille ensemble avec l'autre groupe dans pays Afghanistan. Et pour journée aujourd'hui, yo pas kaké encore, yo juste prend yo rentrer la caillo ensemble avec yo. C'était ennemi yo parce que yo fait diverses attaques sous yo. Est-ce que nous comprenons ça qu'a passé là donc? Ça fait nous comprendre problème qui gagne dans pays d'Haïti a faut que nous toutes nous mettons tête nous ensemble nous chita pour nous repenser bagaille ça fait n'a lever nous pour aller aux États-Unis faut que nous repenser bagaille parce que frère c'est ça bien-aimé en pile dans monde ça qui parti c'est pas monde qui gagne gros études c'est pas monde qui finit l'école mais là arrivé qui ça on va le faire c'est dans jardin on va le travail mais pour qui ça nous pas qu'à structurer agriculture la caille nous pour que nous capable travailler dans jardin donc nous go équipe monsieur dans parlement voler seulement yo propre yo pas fanyé dans la vie voler bon ça qui a passé kounya c'est parti bagaille qui petit si président est là nèg yo t'a voler bon et le président pas là même ah l'école là gen net dans tout bureau l'état gagote qu'a fait frère et donc nous capable comprendre journée jodi a c'est vrai ça fait triste ça fait mal pour comment moun ki di yo zanmi nou yo, yo ap kouri de nou ensemble avec cheval, mais yo même tout fok yo protéger boute yo. Pas de problème. Donc, nous kapab comprenn sa ki passe a son gros leçon, non seulement pour dirigeant nou yo, pour yo suspend fait choul, pour yo suspend retak moun, le ke pep sa vote ou pour yo al représente yo. Le ke pep sa di yo, mes amis, mais qui problème nous gagne? Don mot pour nous. Là nous descendons dans parlement, n'assistons à lever bataille. Là nous descendons dans parlement pour nous faire loi cap utile pays, n'assistons à le beauté pour vider là-dedans. Mais c'est quoi l'histoire, frères et sœurs? Imaginez au fin vote au monde, les sénateurs pile dans manifestation, même gens ensemble avec vous, la revendiquer. Revendiquer qui ça? Non, franchement, nous nervons. Revendiquer qui ça? Si place ou pas là, quittez poste là. Parce que m'baka vote ou pour le représenter, mais puis qu'on y a là, ou dans manifestation. Ouais, ouais, va l'aller, va l'aller. Ouais, le peuple a un coup, il n'y a pas qu'à gêner. Sécurité. Mais, mes amis, bon sang, c'est quoi l'histoire, frères et sœurs? M'baka jamais si se pan pose question ça. C'est quoi l'histoire? Parce que, ou n'en parlement, imagine on nèg là, là, il fait 10 ans, il fait 15 ans, depuis 1900, jamais, il n'en parlement. Depuis 1900, jamais, les députés, le fait doctoral, il fait tout grade, il prend tout grade net, en de parlement. Après ça, journée, jeudi, les gars, c'est d'expérience pour venir diriger le pays. Expérience nan qui ça? Expérience nan qui ça? Ou fait tout le temps ça, ou président, hein? Ou président, chambre député, ou président, chambre sénat? Ou pas jamais font bon grain assemblée nationale? Ou pas jamais font bon grain décision qui permettent population en sorti dans situation li là. Dim qui sont utiles, le ou gade ou e propre frère ou propre sœur pour yon l'autre nation ou même qui gen autorité ou même qui gen l'argent en main ou même qui a fait et défait nos pays. Le ou gade comment l'autre nation a couru des frères ou a couru des sœurs avec sous cheval au code la planse yo.
Comme on senti ou, Léo vini yop explique yop bat 11 pays pour yop te capable de river côté ça. Et puis, Léo gade ou se, nan côté qui paradis pour ou, yop même se dans l'enfer, yop rentre encore. Comme on senti ou, ou dormi en paix? Léo gade qui quantité l'argent qui dépensait pour pays ya, Léo gade qui valait l'argent qui gaspille nek volé dans pays ya, pour mieux dire nous volé dans pays ya, et puis Léo gade moun sa yo, qui pas tap travail dans l'État. Son bout rou yo te kon kebe. Là où la situation est difficile, yo obligé vendre tout ça au gain pour aller chercher la vie mieux. Et pour même, ou senti ou bien, ou senti ou à l'aise, ou abdomi nan kay combien étage, ou senti ou bien, ou senti ou à l'aise en tant que chef pour manger et puis yo même yo bat misère toujours. Comme on senti ou? Pour tout l'argent pays ya en bas griffou, en bas partout et puis pour moun sa yo qui pat manger poa et puis c'est yo k'ap bay la pire. Comment senti ou lè ou campé ou ap expliqué, yo fait 3-4 jours sans bain. Yo arrivé ou mette en côté ou couché, sac papier aluminium yo ap couvri nan chambre frise. Comment senti ou? Ou dormi à l'aise? Ou manger à l'aise? L'agent sa pas bon vent passer toujours. En tout cas, mes chers dirigeants, levez-ni voix parce que si nous di nous ces dirigeants, on fait effort. Donc nan moment là, son moment pour chaque haïtien réveiller conscience pour dire qu'est-ce mais ça qu'a passé comme ça. Ça qu'a passé comme ça là ouais, comme si moun ki te fin bat ki dit ah, moun ki te paye, moun ki te l'enfer, moun lagé pied mais puis ouais journée jodi a sans yon goud. Sans yon senti m'y atterri nan aéroport encore. Ça qu'a bouyo pas jambe kon Port-au-Prince. Yo pas même kon côté comme ça parce que là ou t'as parti à c'est prêt au frein dans avion et au lagué pied avec yo et puis journée jodi a ou ba ou même ou libre là ou vinn lagué ou ba Borisite. En tout cas frères et sœurs, li important mes amis mes chers dirigeants pour nous repenser bagay yo parce que journée jodi a si ou a nous tout cap lever pété courir comme ça. Là ou dit ou c'est chef. Là ou dit ou a diriger, là ou a parler gros français. Faut poser tête aux questions. Qui sont utiles? Qui ça ou utile en tant que sénateur? Qui ça ou utile en tant que député? Qui ça ou utile en tant que magistrat? Qui ça ou utile en tant que ministre? C'est pas seulement prendre gros machine. Oui, on bay mon tête fait mal dans l'arrière toute journée. Regardez, nous c'est pas les gros français monter descendre et puis bon bloc sous paille. Par contre ça nous fait qui dit le pays. Sérieux? Parce que l'op garde moun yo ap déporté yo. C'est pas si grand moun, c'est jeune femme parce que société nous on est capable dit son société qui capable gagner environ 70% moun qui dans 35 à 40 ans. Son équipe jeune moun, son équipe moun qui est capable aider pays, son équipe moun qui a tout 100 yo sou qui est capable travail, son équipe moun qui est capable permettre l'armée d'Haïti campé, son équipe moun qui était capable permettre ou assemblé la éducation pays ya, agriculture, tout bagay développé dans pays ya. Là on pousse de yo, ça qui pas gen moyen pour quitter pays ya, ça qui pas gen mot sauter pour quitter pays ya. Nous diyo campé des barricades yo parce que c'est li qui avenir yo. Journée jodi a, ça qui t'a pété courir aller yo, mais yo tourner oui. So ap di kounya. Ou ap di yo, kounya la moun ki te la au fond déplacé et al propose ça que fin yo camper des barricades là c'est so pral di yo kounya non dim est-ce que c'est ça ou pral di yo kounya ça c'est résultat là nous pas fait pays moi franchement si me donne un poste m'pa cacher di nous frères et sœurs m'a démissionné m'ta bay vague si m'pa ka la m'pa ka la si m'pa fond rien m'pa la sou bagay ki simple si m'pa capable m'pa capable mais m'ta fait tout effort, tout ça m'capable pour moi comment au moins yo t'es capable traiter nous tant qu'un moun. Parce que si la caille yo pas traiter nous tant qu'un moun, ou pas besoin espérer. L'arrivé d'ailleurs gon moun qui pral traiter tant qu'un moun. En tout cas, frères et sœurs bien-aimés, gentil proverbe créole l'a dit, mené kou lève l'école la c'est youn, fait le chita c'est dans pays ça. Ay papa, douleur a di, bagala manje m'jouk nan zo, et n'pa konnen ki vale yo voye pa Borisite malgré ou gen loi, malgré ou fin di yo ap kembe, yo pa voye ale, mais si les États-Unis qui sont pays qui bâti sous la loi ou ça passe comme ça. Ma besoin d'ou non, nan ki sa n'bral pran pi devant. Et ça que fait m'a dit mes chers diaspora, prends précaution, faites attention. Si ou ap voye 50 goud ou voye 1 dollar dans pays d'Haïti ou pas là pour encourager médiocrité
ni tout pas là tout pour quoi vous avez prédit pour lui souhait pour lui a pour avoir voué le bail jeune femme jeune garçon dans pays d'Haïti qui pas prêt rien sérieux mais ou là l'offre on 50 dollars femme on a dit qui sale fait 50 dollars ya parce que nous pas qu'à faire moun à vivre sous nous nous pas qu'à créer plus parasites dans pays ya. Lorsqu'on t'y cob, ou voye le bayon jeune femme, li s'est ménage ou, mais dit chérie, bon mon rapport de l'argent. Dit le sale favel parce que faut le respecter l'argent. Pas oublier, faut suspendre dépenser l'argent, mais au moins mettre ça dans la tête nous, faut manger commencer investir tout. Parce que pays a ses pays nous capable, malgré nous t'ap dit n'ap quitté pays c'est pour yo a fait ça ou vle, jounen jodi a qui côté nous yo mené nous, là encore, ça veut dire c'est ça pour nous. C'est lui pour une bataille pour nous comment t'es capable de mettre le sourire changement. N'a fait place à Voix de l'Amérique pour cette information nationale et internationale. N'a tourné dans un petit temps qui pas trop long. Info gros point d'actualité c'est que en pile attention t'es braqué sous 76e Assemblée générale Nations Unies, yon rendez-vous annuel côté que nous grand leader mondial yo a défilé sous tribune Nations Unies et jodi a c'était président Joe Biden qui t'a présenté premier discours comme président les États-Unis et dans discours ça il a abordé plusieurs questions question Afghanistan question pandémie coronavirus question diplomatie côté que il fait qu'on est que le pape déployé il dit que les États-Unis pape déployé yon diplomatie plutôt agressive et il promet que le pape va déclencher yon guerre froide ni yon monde divisé et il dit que force militaire les États-Unis c'est dernier zam que l'a utilisé dans yon conflit n'a gen pour nous retourner sous discours ça surtout que sous page Facebook nous on était capable de suivre toute intégralité discours président Joe Biden dans occasion 76e Assemblée générale Nations Unies dans New York et l'autre point c'est question Del Rio qui toujours dans actualité a déportation a continuer et jodi a dans Port-au-Prince et dans l'aéroport international là, et ben situation était un peu compliquée d'après ça. Correspondant qui sous place dans Masiado fait nous connaît. Donc nous gain correspondant nous Masiado Vilme qui sous place dans Port-au-Prince, nous gain correspondant nous et Yves Martin Jasmin qui dans Cap-Haïtien demain pour trouver pour déportation tout et puis nous gain dans Kebagay là dans Del Rio, nous gain Jean-Robert Philippe qui dernier développement gain dans situation dans Del Rio, gain quel monde qui content. Mais qu'on s'attoure à un monde qui continue à fâcher. Jean-Robert Philippe, c'est un voix spécial. Oui, effectivement, Jacques, il y a quelques monde qui est content. On a dit tout le monde qui a une chance de rentrer là, que les États-Unis permettent de rentrer et sous territoire, malgré qu'il n'y ait pas de document légal, et bien quelqu'un qui est content. Mais il y a l'autre difficulté de rencontrer, c'est qui j'ai appris sans ça, côté ma parole avec nous, la Tonya là. Parce que non seulement dans ce temps-là, il faut que vous menez dans l'autre destination. Et depuis la mouvée là, il y a déjà 4 autobus qui quittent ces zones là et qui allaient dans Houston, Texas. Il y a l'autre encore qui allait avec eux dans San Antonio. Eh bien, tout le monde sait, même les gens qui là, parents, ils n'ont pas pu acheter des tickets d'avion pour eux. Mais il y a une difficulté qui vient surtout, c'est qu'ils ont pu un transfert. Parce que le transfert par un voyage pour eux, c'est soit un voyage par Zelle ou bien encore par Cash App. Et parfois, ils n'ont pas de compte, ils n'ont pas de pièce d'identité qui va permettre qu'ils aillent, ils prennent l'argent, ça peut acheter et tickets pour payer autobus d'abord et tickets pour payer avion. Tout ça, c'est quelque difficulté technique. Que ils ont rencontré. Mais tout en parlant de immigrants, on a dit que le ministre de la Sécurité intérieure et États-Unis, Alejandro Mayorkas, qui a visité ces zones déjà, mais les ministres font une déclaration concernant le pays d'Haïti. Dans ce qui s'assemble, il y a une réponse que le bail et ces membres congrès américains qui demandent de suspendre suspendre déportation haïtienne. Et bien, il a dit que lui-même, comparaison que le fait avec la situation en Haïti, Haïti est mieux placé aujourd'hui. Haïti est dans la position de dire qu'il est capable de recevoir et immigrants, ils ont déporté Bayoua parce que les conditions sont plus bonnes que ça a été en 2010. Et il dit que Haïti n'est pas qualifié pour être en considération spéciale pour lui. Il y a plusieurs centaines d'Haïtiens bénéficiés sans d'aller aux mains levées administration américaine qui permettent qu'ils entrent aux États-Unis malgré qu'ils n'ont pas gagné un document légal. Et Haïtiens, c'est les gens qui ont une famille aux États-Unis, que parents ils ont pris responsabilité pour qu'ils parlent devant le juge, pour qu'ils répondent à une question juste là avant, pour qu'ils décident si ou non ils ont prêté aux États-Unis définitivement. Border Patrol is coordinating with ICE and the U.S. Coast Guard to move individuals from Del Rio to other processing locations
including approximately 3,500 Mayorkas, te visite zone frontalière del Rio avec Mexique lundi 20 septembre. Et bien côté après elle s'est fini visiter zone, mais il déclarait l'a accéléré processus pour augmenter déportation haïtien avec l'autre citoyen, l'autre pays qui eux même t'a cherché entrer sur territoire américain sans document légal. D'après M. Mayorkas, quantité immigrants passent augmenter chaque jour et lui-même les disposer mettre toutes les choses nécessaires pour déporter tout immigrant qui a cherché à violer loi pays. D'après lui-même toujours sur dossier Haïti, eh bien il dit que il était font évaluation sur situation en Haïti en l'an 2010 après tremblement de terre comparé avec tremblement de terre août 2021. Eh bien il dit jodi a Haïti plus bien classé, plus en position pour accueillir immigrants qui ont sorti aux États-Unis. Par conséquent, ils n'ont pas une considération spéciale pour le pays d'Haïti. Gerlin Joseph, responsable Haitian Alliance Bridge, lui réagit après visite ministre Mayorkas fait sous frontière pour lui-même lui constater situation immigrants, surtout haïtiens, tant qu'étrangers. Et secrétaire Mayorkas vini pour lui voir avec yeux parli ça qui gagne en bas pont et pour lui capable utiliser ça pour lui renforcer narratif que yo même yo gagne parce que qu'on y a trop haïtiens en bas pont il faut que yo déporte yo. Malgré déclaration ça, États-Unis autorise un petit groupe haïtien avec leurs citoyens étrangers entrer dans pays à même là pas un document légal pour raison humanitaire. En attendant, un juge penché sur cas chaque monde entendez réaction yo. Après été pile sol américain en pile misère en pile moun mouri n'a jambé moun pour nous traverser yo nous même pour nous jambé gen pile moun code cassé yo tombé dans le yone gen pile moun tout qui couri pour voler destination c'est rivé États-Unis et normalement nous là et m'a souhaité tout moun qui nan route yo bonne chance et puis malheureusement te gen pile déportation fait mais gen pile moun tout qui sorti. Je dis à nous sentir bien parce que nous avons pile jeune en route là, un pile fatigue, un pile bagaille qui arrive nous. Bon, bon c'est fait nous arriver quand même. Avec un joie, mais en même temps, j'ai un pile regret parce que j'ai un pile frère nous, j'ai un pile haïtien qui en bas pour Texas là, situation pas fin toi bon moment. Eh bien, Aïssé Sahou, il est tellement content parce que il dit que il y a longtemps depuis il a passé misère pour être arrivé aux États-Unis. Finalement, il est arrivé. Il n'a pas jamais compte ça jusqu'à ce que je dis à l'arrivée dans ce centre-là. Et c'est là, Sahou connaît normalement que il y a une autorisation pour entrer aux États-Unis, même si autorisation ça, l'est conditionné. Mais au moins, il y a espoir que l'on parle devant un juge, là, qui attendait, et peut-être situation capable d'améliorer. Depuis Del Rio, dans l'État d'Exas, moi, c'est Jean-Aubert Philippe, la voix de l'Amérique. Et Jean-Robert, et pourquoi aller? Dis-nous, est-ce que question processus pour quelques monde capable de rester dans le pays avec éventualité que yo joindre avec Jujo, est-ce que processus ça a continué dans la zone côtoyère? Effectivement, c'est la prochaine étape. Là. Moun qui entre, yo, y entre, gen moun yo mette yon pièce électronique en pied yo, puis yo capable de rester assez, si yo kakay, yo pas présenter devant juge immigration, puis yon répondre question pour connaître si oui ou non, yo qualifié. Bien organisation, toute organisation, Haitian Bridge Alliance, que madame Joseph a dirigé, eh bien, il dit que lui-même, il parle pas de monde, c'est assistance légale, et il encourage tout le monde, quel que soit quand on va aller, sachez ouais avocat pour aller devant le juge et tout le monde ça gagne 60 jours pour aller devant le juge pour faire son déclaré. Et Jean-Robert Philippe, il y a un journaliste qui contacte aujourd'hui, hein, peut-être que le pas le contacter, qui dit est-ce que on moun gagne accès à moun qui en bas pont del Rio? Est-ce que la presse gagne accès à moun ça? Bon, pour ça que me connais moi-même, moi j'ai fait une tentative, moi j'ai été tout prêt parce que zone là qui gagne une porte d'entrée là-dedans, les fermer jusqu'à nouvel ordre. C'est-à-dire qu'ils sont zones qui seulement en bas contrôle la police et donc ça, c'est tout peur de police et État. Donc, pas de moyen pour entrer parce que zone fermée net et c'est barricade net qui mettait là-dedans. Côté barrière qui gagne là-dedans, côté que service d'entretien, aller puis à nettoyer côté Mounioya, eh bien, moi, t'es arrivé tout près, mais je trouvais que c'est un jeune dame qui campait moins, il dit non, pas qu'à aller là parce que nous interdit que la presse allait. Même après, que y a l'autre moyen pour nous passer longtemps. Mais moi, qui vient là, qui m'interviewe, il dit que la situation est vraiment, vraiment bon, vraiment bon. Et moi, je suis dominicain, Cap Babi, peut-être lui-même, par exemple, il y a un petit avec lui.
dit Maril et maman, et il trouvait que était séparé avec maman. Voilà que lui-même il bénéficiait et autorité, décision autorité, et puis maman lui-même était derrière et il dit par contre ça vous le faites pour maman ta vie. Merci Jean. Pas facile du tout. Merci Jean-Robert. Jean-Robert Philippe, c'est envoyé spécial service que là, il trouvait dans Del Rio, dans Texas. Et ben, côté situation, toujours été compliqué, mais que Tankoul dit nous, il y a des gens qui sont contents parce que ils ont joué une autorisation pour être dans le pays, bien qu'ils aient pu passer devant le juge, mais il y a des gens qui ont voulu aller. Il faut dire que pendant ce temps, il y a une pile pression qu'a fait sur l'administration Joe Biden, nan, et il y a des images qui pas fait honneur ni avec Haïtien, ni avec le gouvernement États-Unis d'après, et les gens qui ont analysé notamment policier ça qui sous et cheval là et qui a essayé caler l'autre monde, donc ça t'est onti gens et soulever en pile provocation, et même monde qui parlait par exemple gagnon congressman américain qui parlait de Zach raciste, et qu'on y a là tout n'a parlé de NBA, n'a parlé de ligue basketball américain, les même tout les protester contre situation ça, et les même dit que le pral et la PC ouais s'il est capable établir une coordination, une collaboration avec Asian Bridge Alliance qui gagne Gerline Joseph dans tête li, la pour dans quelle mesure que capable porter soutien by moun sa yo qui en difficulté en bas pont Del Rio. Nous connaît que pont ça li relie Del Rio qui dans Texas avec Ciudad Acuña qui li même nan Mexique. Et puis pendant ce temps déportation et a continué et aéroport international Toussaint Louverture là recevoir moun encore jodia, et ben bala tout gentil un pi compliqué d'après ça Machado Vilme qui sous place dit nous et gen la dedans qui réagit nan micro et Machado Vilme et avec colère. Ni l'État haïtien, ni l'État États-Unis, tout complice. Parce qu'ils viennent prendre nous la nuit. Attention. Ils déportent nous la nuit en cachette. Par exemple, nous là, ils prennent tout à l'heure, nous passons une pièce de déportation, nous passons rien. L'État haïtien, même Jean-Pierre Israël l'accepte, signe une déportation pour déporter haïtien dans nos pays comme ça. Si l'État haïtien fait signe, on va pas déporter nous. Donc, il y a un peu de spécialistes qui ont discuté sur la question ça à côté. Technicalité, est-ce que yon moun gen doit déporter sans le passé et déportation, leur dire que yon pral mené yon côté, yon mené yon l'autre côté. Donc, nous quitter ça pour spécialiste yon. Pendant ce temps, yon groupe d'appui rapatrié ak réfugié gars qui annonçait que l'IPRAL travaille en partenariat avec l'autre organisation. Cependant, responsable communication gars là, Joseph Mike Lysias, dénoncé autorité américaine yon, li dit qu'il pas bien traité migrants haïtiens yon en suivre. Déclaration Joseph Mike Lysias. Par rapport à la situation humanitaire que les migrants haïtiens ont trouvé dans la frontière, nous pensons que tu as supposé gagner une considération qui fait pour empêcher que la situation mounio détériorée, pour empêcher que la situation mounio même plus aggravée par rapport à gens qui ont déjà. Parce que l'image montre nous sur les réseaux sociaux, nous avons des photos, nous avons des vidéos, dans quelles conditions mounio a vivre côté en bas en pont, par une assistance humanitaire que nous avons. Et nous-mêmes, nous dénoncer ça, nous déplorer le fait que l'autorité, que ce soit à bon côté, et
États-Unis, que ce soit bon côté pays Mexique, qui n'ont pas vraiment bah, une assistance à tous les migrants qui sont vraiment dans une grande difficulté dans la zone frontière. Ça. Quand pile haïtien qui vivait dans la frontière, qui trouvait ou en bas pour moi, qui n'a pas de documentation. Parce que en pile dans les documents, ils ont perdu sur la route, ils ont volé pour l'affaire, ils n'ont pas de pièces, ils n'ont pas de papier vraiment pour identifier vraiment. Et ce n'est pas des gens qui te font une demande vraiment formelle que tu n'as pas besoin de visa pour être capable d'entrer sur le territoire. Donc c'était Joseph Mike Lizias qui est responsable communication dans GAR, qui est groupe d'appui rapatrié et réfugié dans le pays d'Haïti. Pendant ce temps, immigrants aux États-Unis ont mis pression sur l'administration Joe Biden dans la manifestation qui déroulait entre autres dans New York et dans Washington DC. Manifestants ont demandé résidence pour les gens TPSO, pour Dreamers, yo, pendant qu'ils ont protesté pour déportation massive haïtienne dans Del Rio avec mauvais traitement qu'ils ont subi. Marlène Bastien, c'est directrice femme qui c'est Family Network Action Movement. Il était dans la manifestation, il était dans la tête haïtienne. Eh bien, nous là, en foule des milliers qui sont tout partout dans les États-Unis hein, pour nous demander à l'administration Biden et surtout le Congrès pour lui approuver eh bien, le budget et réconciliation qui devant le Congrès aujourd'hui là. Pour permettre 600 000 personnes qui ont été statut protégé, 800 000 personnes qui viennent Dakar, et puis tout le monde qui travaille dans le champ, tout le monde qui travaille dans la ferme, pour avoir une résidence permanente. Donc on a un projet de loi pour résidence permanente, il est passé dans la chambre basse plusieurs fois, mais il est toujours bloqué dans le Sénat. Et bien, quand il y a la côté de la palais là, dans le budget, budget, réconciliation budget qui a discuté dans le Congrès, hein, pas vrai? Eh bien, vous mettez une chance eh bien, pour le projet, pour bail, eh bien, immigrants résidents pour le passé. Mais qui ça non ouais? Non ouais, parmi les parlementaires là, eh bien, rejeter eh bien, et projet ça. Il ne pas inclure, il dit, il ne veut inclure, eh bien, dans le projet. Réconciliation budgétaire pour permettre qu'il y ait eh bien des milliers d'immigrants pour rejoindre résidence. Donc c'est pour ça non là non même ça c'est la première raison que nous là non là pour nous demander résidence pour tout le monde, tout immigrant qui est dans Dakar, qui est dans statut protégé, tout immigrant qui travaille dans la ferme. Tout immigrant qui travaille dans l'hôpital, qui professeur, dans n'importe quelle capacité, nous venons là pour demander résidence pour eux. Donc c'était Marlène Bastien qui est directrice femme, qui est Family Action Network Movement. On dit que c'était des milliers de monde qui sorti dans plusieurs côtés, plusieurs nationalités, et Amérique latine, Caraïbes, Antilles. Donc c'était un gros bagage qui était pris en paquet de rue dans Washington DC. En pile, la police était assurée et sécurité. Faut dire tout que nous faisons entrer en communication là avec correspondant n'importe où, Prince Massado Vilme, qui fait nous connaître que bon troisième avion qui fait criver là dans l'aéroport Toussaint Louverture là. Pendant ce temps, il y a quelques membres du Congrès américain qui étaient voyés dans la journée jeudi 16 septembre 2021, ils ont lettre by ministre de sécurité intérieure américain Alejandro Mayorkas et ministre de santé publique et services humains Xavier Becerra pour demander aux prendre disposition pour offrir un plus bon traitement pour haïtiens qui vivent aux États-Unis et puis porter bon gens assistance by pays d'Haïti. Détail lettre ça avec Lionel Demarat. 56 députés américains signent lettre là, commencer le constat. Monsieur le ministre Mayorkas et Monsieur le ministre Becerra, nous écrivons les sang pour nous aborder qu'est-ce que c'était pressé diaspora haïtienne dans gagné concernant tremblement de terre 7.2 qui était dévasté Haïti dans date 14 août 2021. Plus passé 2000 Haïtiens ont perdu la vie et puis 12 000 autres subi blessés graves comme conséquence tremblement de terre, tandis que gagné plusieurs villes qui réduit en débris. Plus passé 137 000 cas dommagés ou bien crasés. Et puis, d'après l'Organisation des Nations Unies, il y a 650 000 victimes qui besoin d'assistance humanitaire. Plus loin, 56 députés américains ont fait connaître. L'administration américaine n'a pas pris une décision avec raison et une façon appropriée après l'assassinat du président Moïse là, le 7 juillet pour porter une mise à jour dans l'éligibilité haïtienne pour TPS.
Nous pensons, après le tremblement de 14 août, là, mettez sous cyclone qui était passé après ça, l'administration a dû décréter une autre décision officielle pour Haïtiens qu'aux États-Unis, parce que gestion administrative, dossier TPS, là, avec dossier document autorisation de travail, là, capable de prendre jusqu'à une année pour le compléter. Façon plus efficace pour permettre Haïtiens de continuer à jouer une protection contre déportation, c'est offrir au statut DEDA ou Deferred Enforced Departure, un programme qui protège yo contre déportation. Administration non capable offrir immigrants yo plus soulagement, plus satisfaction s'ils retournent avec programme HFRPA ou bien programme réunification famille haïtienne sous parole qui t'a capable permettre quelques citoyens américains ou bien moun qui gen résidence légale aux États-Unis appliqué pour membres de famille qui en Haïti et qui gagne une pétition visa immigrant yo déjà approuvée, mais qui n'est pas capable de venir une famille aux États-Unis à cause gestion administrative visa prend plusieurs années. Gouvernement avant, te cherché faibli et même éliminé programme ça. En octobre 2020, président Biden te font promesse électorale pour le remettre programme ça en place. Merci pour considération de Babay demande urgence ça. Nous espérons et disposer travailler avec nous sous dossier ça pendant jour et semaine cap vin la yo. Let's ça pour tes signatures 56 députés américains. Merci Lionel Demarat. D'après yon sous que nous avons fait confiance, gon l'autre lettre encore que quelques congressmen voyaient bay par rapport à ça qui a passé dans Del Rio. Sous la voix de l'Amérique, qui peut depuis Washington DC, mes amis. Pote masou, ma pote mpam, yo konsa masou a poteje, mas mwen a poteje. Oui, attention, pa kapon, met ko veye ko te koulonte pou met nou, et ben, président Joe Biden prend la parole pour la première fois sous tribune Nations Unies à occasion 76e Assemblée Générale là. Et ben, Sandra Lemaire, abdi nou plus, sous discours ça. Le moment l'état privé dans l'ONU, journaliste yo te posé président Joe Biden question sous situation sous frontière États-Unis avec Mexique. Nous pral prend contrôle situation, président te répond. Biden parlait de yon agenda global côté américain yo servi avec force militaire comme dernier recours. US military power. Biden prend place li pour première fois comme chef d'État États-Unis devant podium Nations Unies pour prononcer un discours qui a duré 30 minutes. Il lance appel pour le monde prend action agressif pour combattre COVID-19 là avec changement climat. Already, the United States has put more than 15 billion. Sans les pas citer non plus gros adversaire les États-Unis en parlant de la Chine. Biden sermentait tout que l'IPAP cherchait augmenter aucun conflit. Biden défend tout. Décision l'été prend pour râler troupes sorties Afghanistan après 20 ans. Une décision qui soulevait gros palais en pile. Paraît Biden fait devant l'ONU m'a dit rejeter directement politique Amérique en premier Donald Trump te poursuivre là. En dehors building l'ONU, journaliste nous, Celia Mendoza, t'es rencontré Marie Placide, une haïtienne qui était dans le quartier Bronx et qui a vécu aux États-Unis depuis le 5 ans. Elle a protesté contre la politique États-Unis vis-à-vis migrants haïtiens. Lizzie m'a protesté contre ça qui a passé sous frontière Texas là. Moi, je viens là pour me faire Biden connaître que le monde vient aux États-Unis pour demander asile, c'est pas un privilège, mais plutôt un droit. Marie dit ça fait mal surtout pour les gardes frontières sous choual qui battent migrants haïtiens. Elle dit c'est un crime contre l'humanité. Et c'est pour ça que je campé devant l'ONU. Ils ont supposé surveiller mauvais actes le monde. Qui côté yoye, le a brutalisé, terrorisé et puis maltraité haïtiens, puis mal passé chien. Collègue nous, Celia, t'es posé ambassadeur Mexique là, Ramon de la Fuente, question sous situation haïtienne. Assemblée générale l'ONU déroulée chaque année dans le quartier général Lee, dans New York. Et c'est le plus gros rassemblement leader mondial. Anissa a seulement à peu près 100 chefs d'État qui dit y assister en personne. Sandra Lemaire pour la Voix de l'Amérique, Washington.
Merci Sandra Lemaire. Fon dit que le président Joe Biden prend la parole dans mi-temps. Pas qu'il y a un conflit, notamment il y a un conflit avec la France. Et il parle, il rencontre tout avec l'autre grand leader, notamment Premier ministre britannique là, Boris Johnson. Il rencontre tout avec Emmanuel Macron dans mi-temps tout conflit. Et l'autre réaction sur la question Del Rio, nous parler dans la diaspora, dans Boston, avec journaliste Erlich Dorelas qui prend la réaction communauté haïtienne. Déception, humiliation, c'est comme ça haïtien la Coupe Boston exprimé yo dans micro la voix de l'Amérique. Après fin garder image haïtien qui était en train la Coupe Del Rio, Texas, États-Unis. En dépit de tout ça nous prend déjà yo. L'aime t'a garder bagage ça yo, me senti ses entrailles moi t'a coupé. Me senti moi humilié. Me senti nous mépriser par rapport à ça qu'a fait là, journée jodi a. Et haïtien et mon cher image ça yo réellement tracassé moins bon ça traumatise moi puis spécialement le regarder moi petit monde qui mon y a porté dans main ça réellement bail problème. D'après Joël Telishma qui sont présentateurs émission télévision pour communauté haïtienne là dans ville Boston dit comme ça bagaille compliqué pour administration Joe Biden là. Administration Biden là et puis il prend un degré de soulier so, mais c'est pour bail que nous mêmes haïtiens que nous t'a supposé pour nous être capable applaudir pour ça pour nous freiner nous puis à déporter dans pays nous. Ça pas empêché pour l'autre haïtienne américaine ou bagaille différent sous Jean administration de Biden nan abjé crise immigration ça. Et pas de moun qui te ka pense je ne jodi a c'est nan men yon président de Biden pour nous t'apprendre bagay ça je ne jodi a et c'est tout moun ka plein et c'est consternation totale. Pour aller plus loin on te cherché font ti parler ak avocat qui occupait les affaires immigration dans ville Boston Nino Jama. Pas oublier que États-Unis gen 50 états. Ça veut dire que nous gen haïtien qui lance 50 états. Nous connaît gen même haïtien qui était en Alaska. Well, donc nous connaît gen haïtien qui rentre en Floride. Donc moun ka kont sa autorité a relé moun ki représente ou à travers Congrès pour faire connaître que vraiment crise la dure en Haïti. Critique qui passe pas tomber sous droit administration Joe Biden là. Après décision li prend pour déporter haïtien sa yo, il était rentré la Cour Del Rio Texas. Erlich Dorelas. Puis Boston, Massachusetts, pour la voix de l'Amérique. Eh bien, quand nous allons rentrer dans Orlando avec Yves Montpremier qui a l'autre réaction encore. Plusieurs membres de la communauté haïtienne dans la ville Orlando, centre État Floride, mettaient avec dirigeants quelques organisations qui étaient rassemblées dans la soirée lundi 20 septembre pour pencher sur la situation. Plusieurs milliers d'immigrants haïtiens qui bloquaient dans la frontière entre pays Mexique et États-Unis. Chita Paléo est centré sur GFOR Cap Fête pour porter support qui est nécessaire à les compatriotes et même faire des marches pour empêcher les déportations de continuer. Jean Leblanc, Voïta Nicolas et Natacha Willy, c'est toi le principal leader qui a mené le mouvement ça. Nous sommes en contact avec des officiels du gouvernement du côté de Tallahassee. Ils ont demandé nous, ils ont besoin d'aide nous, côté qui a besoin des monde qui va le translate pour nous. Il y a besoin de shelter, il y a besoin de travail, que ce point ça qu'on a travaillé. Deuxième aspect est politique là, comme d'une façon politique, de situation présentée là. Nous avons des avocats qui peuvent entrer pour parler, pour prendre la phase légale, pour dans quelle mesure qu'on travaille dans le point ça. Et traitement que ça haïtien ça recevoir, il n'est pas faire du tout, parce que l'administration ça n'a pas voulu faire du processus. Administration ça a pas voulu que pour fil pour asile politique et administration ça encore a déporté moun yo sans doux process que li di yo konsa que yo pral descendre Florida et pourtant c'est Haïti que yo mené. Haitian American Ad Network, c'est organisation que et moi en charge là, nous décider pour nous aller Texas avec ressources que me gagne pour pral porter aide pour moun yo. Premier bagage là nous pral mander pour yo ka retirer en bas pour yo ka ba pi bon soin. Moi tout merci parce qu'on t'a suivi avec attention et merci pour fidélité ou avec patience. Moi prale m'a quitté non bra papa bon Dieu parce que c'est lui même celle qui capable protéger ou ba la vie avec la santé. Bonjour, bonsoir tout le monde, n'a croisé dans l'autre vidéo. Au revoir, à la prochaine. Ciao ciao. M'ramasser paquet moi cause habitant pas misé la ville. M'prale mais m'a quitté non bra papa bon Dieu parce que c'est lui même celle qui capable protéger ou ba la vie avec la santé. Bonjour, bonsoir tout le monde. N'a croisé dans l'autre vidéo. Au revoir.